Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Stellaris avec Tekamon Fea. C'est parti. On s'en prend tellement beaucoup de loin. Courage, Slan. Allô? Tiens, ils ont coupé mon portable, les salauds de Maiden. Oh, je t'en reçois mal, hein. Tu dis quoi? Oh merde, ils sont sur moi! Putain, ils sont sur moi! Venez, merde! Non, bah, attends, t'as tué son larbin, qu'est-ce que tu fous au lieu d'être chez moi 2 millions ton allié. Non, les flottes que je reconstruis depuis 6 ans. Je peux pas. Ouais. Et puis Tech, tu vois, au lieu de venir t'aider, bah qu'est-ce qu'il fait? Bah il envoie ses flottes mourir sur les miennes. C'est alors mon, der- que, bon, c'est franchement, mon dernier il a fait, chantier. Il a tué 3 frégates, hein, c'est tout. C'est mon dernier chantier spatial. Je te rappelle que mes flottes sont juste chez moi. Ah bon? Pourquoi c'était c'était. C'est sûr que c'est pas mes renforts de troupes qui passent par là? Non non c'était. Enfin j'ai pas vu tes flottes, mais j'ai vu que c'était à ton nom. Donc. Arrêtez de vous battre. Il faut faire quelque chose. On fait des trucs. Aïe 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 aïe. Par exemple je vais tenter de détruire des portails et des portails avec mes manches étoiles. C'est pour ça que j'ai fait la crise. C'est pas pour vous attaquer. Moi c'était. Go go 2 millions sur toi. Ils n'auront pas la capitale, ils n'auront pas. Sincèrement, ils peuvent pas. Ils n'auront pas la capitale. Alors, Polystéa, ils sont repartis. Il est où mon chantier? Ils ont juste détruit le chantier et ils sont cassés. Je vous déteste. Bande d'enflure. Ouais, bah, à croire qu'ils ont un plan. Allez. On va réunir la flotte de Fédé. J'ai tellement de frégates ici. Alors toi, tu vas hop, te virer. Pourquoi je peux pas les fusionner, ces trucs-là? Ça dépasserait la limite. Ok. Vous avez vraiment rien chez vous, quoi. On t'a deviné? Comment c'est possible? Voilà. Comment c'est possible qu'ils respectent toutes les frontières? C'est sérieux? Cette victime, là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bah, un tout petit peu quand même. Aïe, 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 aïe. Alors, ce qui est pas mal, c'est que je suis encore très largement le premier au Sénat. En même temps, t'as vu la tête des autres. Oh, ou pour la puissance de vote, j'ai 73 000 quoi. Oui, oui. Pop, ça baisse la pop, hein. Économie, technologie. Comment ça va chez toi? Poids diplomatique. Ben. Chez moi, ça va pas. Y a plus de chez moi. Pour l'instant, il n'a pas la capitale. Il peut pas la prendre. Il n'y arrivera jamais. Mm-hmm. Tu es sûr de toi? À 100%. Construction complete. Par contre, il est en train de prendre Polystéa. Bon, alors la gestion des planètes, ça va être beaucoup plus facile. Allez pour l'Empire! Sus! Allez, dans un an, c'est l'Empire. Mmh. Adieu. Et à partir de là, Thématique. Tout ira mieux. Je suis à sa capitale, je sacrifie mes dernières flottes. Crevez! Vous êtes mourants! Vous êtes mourants! Vas-y, vas-y, je te soutiens. Mes forces de mort! Ah bah, pouf! Oh, punaise! Mmh. Ah bah, tiens. C'est quoi tous ces déchets que t'as laissés chez moi? Ah, je suis navré, oui, j'ai laissé des trucs. C'est vraiment crado, hein, quand même. Ah, et je lui ai rien fait? Non, rien. Il y a 1 million ici, et moi j'ai. Pas suffisamment. Bon, bah, en même temps, ça règle un problème. Tu sais que t'es trop Arata Dark, il est en train de se diriger vers chez toi pour détruire les planètes. Fea, pourquoi tu veux détruire les planètes des autres? Détruis les tiennes, ça ira plus vite.
Ça va pas, non? T'as plein de systèmes que tu peux détruire dont t'as pas besoin. Tu et sais alors, que si tu gagnes, si tu gagnes, la partie est gagnée. Oui. D'accord. Merci, Obvious. Mais voilà quoi, on peut battre les Unbiden. Par contre, oui. Le moteur sporique, t'en as pour. Métasphorique, là, t'en as pour 30 ans. Alors il faudrait que tu lances. Oui. Faudrait que tu lances la première étape. Sauve-nous. Oui, oui. C'est quoi, Canesta? D'ailleurs, il en est où ce moteur machin? C'est pas chez toi qu'il a popé de... Attends, c'est. J'ai pas les destroyer. On va essayer de vendre tout. Arrêtez avec Flood et Tated. Oui, je sais bien que je suis attaqué. Science Division reports a new breakthrough. Ah, il faut tenir. Il me faut 20 000. Ouais, 20 000, il va falloir que j'en tape des trucs hein, pour arriver à 20 000. C'est pour ça que je te dis détruis, y compris tes propres étoiles. Hein. Mm-hmm. Il te faut 20 000 pour le premier, 30 000 pour le deuxième, 40 000 pour le troisième. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il faudra 50 000 pour le quatrième. Hein, je crois qu'il vient bombarder la planète. C'est moche. Je crois que ça y est, il vient bombarder ma capitale. C'est parti. Non, ça va, il me fait rien pour l'instant. Aïe, 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 passera pas. Ça passera pas, il peut pas. Bon, moi je vois en tout cas des Unbiden chez FEA. Eh oui. Qu'est-ce que tu crois? Chez moi ils ont t'es renoncé. Pas le seul. Ils c'est juste que nous on... Ils sont en train de s'en aller. Ils sont au moment. Où tu viens? Ils vont s'en aller. Ils vont pas rester. Allez, dur, faut tenir à dur. Là, c'est la descente aux enfers, les amis. Moi, je pense que Yann s'occupe que du leader de la galaxie. Hein. C'est que ça, en fait. Bienvenue dans l'ère de l'Empire Galactique. Oui, domaine impérial joué par Slan, bravo. Voilà, alors relations extérieures, unicité. Qu'est-ce que ça ferait? Dégâts infligés aux factions des crises de fin de partie, plus 20%, c'est parti! Pourquoi l'arme ne charge pas? Elle charge non, et ensuite elle tire. Voilà, on était en pause. Ah, mais elle chargeait pas, mais ça fait parce qu'elle était en mode. Voilà, les gens peuvent construire s'ils veulent. Ah, une unicité, mesure d'urgence. Le titanesque, que toi tu vas rester dans le coin parce que. Ah, il reste encore un bout d'empire hein, quand tu regardes. T'as vu, j'ai une jolie couleur pourpre. Oui, l'impérial. Oh, il y a tellement d'infos. Impérial corps, empereur galactique. C'est moi. Il te reste quoi comme flotte actuellement pour est-ce rigoler que je peux en construire d'autres des... Je peux pas construire de flotte, j'ai pas de chantier. Ah si, mais maintenant je... Un truc qui... Si à 2 bits je peux construire. Non, je peux pas. Je peux pas tuer et construire ça. Je pourrais changer ça. Le chantier. Hmm. Destruction du système de Halax. D'accord. Ça lui fait 1000 ou 1400 de maltère noir. Oui, c'est pas ça avec que je vais. C'est une idée comme une autre, hein, faut tester, mais. Ouais, il détruit chez lui, c'est plus près. L'opération Terre Brûlée? Oui.
Alors, s'il gagne, de toute façon, ça va transformer la totalité des étoiles en trous noirs. Mais c'est pas ça qui fait gagner, en fait, en vrai. Donc, en fait, il faut qu'il construise et qu'il défende le moteur métasporique qui se trouve à... N'empêche que j'ai quand même tué 18 spontanés. J'ai quand même réussi à faire ça. Encre dimensionnelle, il y en a 10. On a des points non dépensés. Je suis content. Ah, je suis passé 3ème avec mes pertes. Oh. Les victoires ont été désactivées. Très bien. Souverain philosophe. C'est beau, hein. Je crois que je vais prendre ça. Juste pour le principe. Les victoires quoi ont été désactivées? Quand tu regardes nos victoires, ouais. Ouais, les victoires ont été désactivées. Tu vas passer premier bientôt? Non. C'est fait, c'est fait. Aïe 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 aïe. C'est assez compliqué. Comment ça, je peux pas jeter un demoiselle de flotte? Ah, attends, on a eu un reset avec l'Empire. Hop. Ah, il y a plus de flotte fédée, oui. Non, mais même, je devrais pouvoir améliorer. J'ai les chihuahuas, c'est quoi ça? Les fox terriers. C'est moi qui ai la flotte impériale? Non, mais tu peux en construire peut-être. Inbound message traffic. Inbound message traffic. C'est toi qui fais les modèles peut-être? T'as été que jusqu'au croisade? Je sais pas ce que c'est ça. Construit. Pas important ce que c'est. Ah mais je suis rendu de l'autre côté là. Oh là là, non c'est pas possible. Ouch, 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 ouch. Ils sont longs à te dévorer quand même, je veux pas dire mais... J'avoue. Oui. Cette lente agonie... Petit tous mes points, tiens. Bien. Mais ils ont pas la capitale. Mais ils s'arrêtent vraiment à la frontière, ces salopards. Hein. Ouais. Kezo, c'était à toi, Fer? Je sais pas de quoi Kezo, tu parles. C'était à toi. Là, c'était je suis à lui, un ouais. Petit peu... un petit peu occupé là sur des choses. Tais-toi le mange-mort et survie. C'est ça. Tu parles, les nains ils s'en récupèrent les étoiles que j'ai perdu, saloperie. Bon. Ah oh là 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 là. Mange-mort, le mange-mort. Il est partout. Pourquoi il n'y a pas de deuxième Hunt Biden qui apparaît? C'est bizarre. Il doit être au 15% là, largement. C'est pas sûr. C'est possible. Féa, il est en train de détruire les planètes là où Lon Biden arrive. Toi, je vais faire un petit saut, c'est pas grave. Ils ont abandonné partout non, dans ce pays. Il a pris la capitale. Un deuxième portail vient de s'ouvrir. Les aberrants. Pire en pire. Et ils sont où? Non. Où est-ce qu'ils sont apparus? Marqués. Ils sont entre moi et toi. À Bitron. Ils sont à Bitron. Ah, ils sont frontière. Ah, ils sont apparus au milieu des autres. Oh punaise. Wouah. Les voilà. Arrêtez-les. Ils sont apparus chez moi, c'est formidable. Inbound message traffic. Bah c'est bien. Dans le meilleur des mondes. Ça va rien Bobby changer. L'empereur. Faut sauver Féa, faut les empêcher d'arriver chez Féa. Je pense que le mieux, ça reste la destruction totale de la galaxie. Nous allons cotériser. Et je suis pas nihiliste parce que ma capitale est tombée. Hein.
D'ailleurs, ma capitale n'est pas tombée, on vient de reconstruire le portail. Et j'ai encore une planète. $2,3 millions, bah oui. Comment dire, c'est chaud. Très chaud. Ah, je commence à arriver à l'équilibre. Science Division report success. J'arrive enfin à l'équilibre. Inbound message traffic. Ouch. Ah, ça c'est pas bon ça. Mais tout est mauvais, hein, mon cher Stan. Ouais, mais là c'est vraiment pas bon. Je viens de passer en négatif en alliage. Ce qui laisse présager de ma faible capacité à reconstruire des troupes, des flottes. Moi, je reconstruis des misères. Mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Ah mais par contre, il y a un plaisir à regarder, je sais pas pourquoi faire. Vous êtes des vents foirés, plus jamais je joue avec vous. Je suis sûr qu'en plus vous avez Moi, je regarde rien du tout parce que je me bats bec et ongle de mon côté. Dans quel endroit, je suis curieux. Où est-ce que t'as des problèmes? Qui, moi? Moi, j'ai plus de problèmes, j'ai plus rien. Voilà. J'aimerais seulement, au moins une fois, que le jeu s'abstienne, au moment où je vais mourir, de dire disparition d'un empire inconnu. Parce que c'est vraiment pas sympa, je suis pas inconnu, je suis l'empereur. L'empereur. Il reste plus grand chose, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre le contrôle des Unbaiden. Inbound message traffic. Petit cadeau. Pourquoi faire? Pour rien, pour le fun. Petit con, 500 crédits, va te faire par voir mois. Par mois. Ça suffira jamais. Tu dois me payer beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Tu le caches, c'est ça que tu veux. Tu n'as même pas le droit de quitter l'Empire Galactique. Ah non, je peux le regarder se déliter par contre, et je garde mon système à moi. Par contre, le grand Obusar est en passe de devenir l'Empereur. Ah. Bah oui, puisque les Unbaiden s'arrêtent à la frontière et que surtout ils ne la franchissent pas. Et c'est réel, hein. Terrible. Ah mais je n'en doute pas un seul instant. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Non mais c'est que t'as pris mon énergie en plus, tu l'as vraiment pris. Bah évidemment. Oula, les Unbaiden sont où là? Ah, ils viennent de pop d'un coup sur ma capitale, je crois. 50 000 c'est bien, tiens je le prends. Comment ils ont fait pour poser ma capitale, elle a pas de portail? Ah si, j'avais un portail de base. Mais ça c'est cheaté, on m'avait dit que les portails ça marchait c'est pas quoi, par ça exemple, l'Empire. Ils pouvaient pas se téléporter avec un portail comme ça en plein milieu. Non, ils peuvent pas se téléporter sur Bravo. Ta capitale. Pourquoi ils l'ont fait alors? Bah ils ont fait un saut, ils ont le moteur. Non. Ils ont le moteur de saut. Ils l'ont fait deux fois, ils l'ont fait c'est quoi le nom? À Kiezo, où ils étaient pas du tout dans le coin. Et c'est normal, ça c'est un trou de verre, rien à voir. Kezo, c'est un trou de verre? Non, c'est un portail. Non, Kezo, c'est un trou de verre. Si, ça. Non, c'est marqué portail. Non, c'est marqué. Et il vient de le faire. C'est marqué portail. C'est marqué Kezo, c'est marqué portail. Mais il y avait un trou de verre avant. Maintenant, il n'y en a plus, mais avant, il y avait un trou de verre. Et assez là, ils sont partis sur Iscarion et ils n'étaient pas du tout dans le coin à portée. Oui, mais ils font des sauts aussi. C'est ce Metra n'était pas à portée hein, d'Iscarion. Ils n'ont pas la même portée. Avec le son. Ils ont la portée des moteurs qui est plus grande. Et je les ai vus passer par... ouais, ils ont fait un bond parce qu'ils sont, ils étaient pas à The Black Crow, je crois pas. Et ils ont la portée des moteurs psy qui est plus grande. Ouais, je pense, ouais. Et ils ont pris ta capitale? Ouais, ça y est. Non, ils l'ont pas prise encore, mais ça va pas tarder. Le moteur sporique, c'est fini alors? Non, ce n'est pas fini.
Rien n'est jamais totalement fini. Bah moi, j'aurais tendance à dire flottes. Un peu quand même. Ah, ça y est, j'ai une flotte. Je mets un général. Attends, vous savez qu'il est mis en avance rapide, là. J'ai mis à deux, c'est bien deux. Mais va te faire chez les Grecs, hein. Non mais oh. Comme ça. Il y en a qui se battent, hein. Il y en a que tout le monde n'a pas perdu, monsieur l'empereur déchu. Je suis pas déchu. Oh, t'es de pas façon, très vigoureux. Hein. Si je perds, c'est de votre faute. Oh. Vous avez pas été à la hauteur. Oh, comment il parle l'autre. Monsieur, c'est comme ça. Allez, on va essayer de. Pourquoi les renforcements seraient hors de mes moyens? Qu'est-ce que tu racontes, Salpio? Pourquoi je fais un cas de recherche? Pourquoi j'ai plus de particules? Où est passée ma matière noire? Science Division reports a new breakthrough. Pourquoi j'ai plus de biens de conso? Allez hop, on fait une flotte. De toute façon, vous avez été des mauvais serviteurs. Ah mal, vous n'étiez pas des serviteurs. Et c'est bien la première fois dans un espèce où je prends le temps de regarder, grignoter, discuter. Très agréable. Je vous ferai payer vos infidélités et votre incompétence. Bon, elle est notoire, mais après on vit bien. Hein. Ta capitale, elle est tombée ou pas alors? Toujours pas? Ma capitale, si, elle est tombée, mais j'ai une nouvelle capitale. Ah, c'est... ah. Là, c'est pas vraiment non plus une nouvelle capitale. Il me reste plus que 8 planètes. Ils ont mis 2 millions sur ma capitale, ça va être un peu dur. Ça va, c'est correct. C'est complètement ouf qu'ils restent collés aux frontières. Pourquoi ils n'envahissent pas les alliés? Oh, parce qu'ils sont en train de me finir d'abord, ça va pas tarder. Bah déjà, ils sont chez moi aussi. Hein. Ils ont débarqué chez toi, Tadark, dès qu'il a lancé le moteur sporique. Non, pas dès que je l'ai lancé, dès que t'es devenu faible en fait et que moi je suis devenu fort. Oui, mais le temps que tu l'as lancé, ils ont commencé à envoyer des trucs, c'est tout. Ils arrivent pas. Je pense suite. Pas, non, pas du tout. Ce que j'ai lancé dès le début, en fait. Mais il est pas. J'avais pas encore le niveau, le moindre niveau de mi, en fait, hein, en vrai. Ah bah ils viennent tout de suite. Ils attendent pas. Oui, mais du coup, c'est pas vraiment. Là, ils l'ont fait parce que c'est une merveille. De toute façon, ils ont cherché tous les merveilles, je pense à peu près. Tous les trucs qui pouvaient leur rendre utile. Aïe. Il n'y a aucune étoile où on peut s'enfuir. Hein. Il est joli, mon bel empire violet. Oui, hein. C'est vrai que ça a changé, là. Alors, je vais montrer ça aux gens. Bon, et les aberrants, ils sont en train de... Ah, un changement de couleur, c'est moins agressif aux yeux que le jaune, c'est agréable. Je m'en fous, il me reste la Maëlle. C'est bizarre qu'ils n'y aillent pas, d'ailleurs. Bah non, mais il y a rien de notable. Pourquoi ils prendraient leur temps à y aller? En plus, c'est protégé par des canons ioniques et tout, donc ils ont peut-être pas envie. Oh bah oui, ils ont peur. Bah ça peut leur tuer un ou deux vaisseaux. D'habitude, ils sont, ils se précipitent vers la porte L pour pouvoir circuler un peu partout dans le monde. J'ai quand même l'impression d'être victime d'acharnement. Hein. Peut-être, mais nous, ça nous dérange pas plus que ça. Je veux dire, il a quand même popé à côté de moi, s'est dirigé direct sur moi, et n'a pris que mes planètes, quasiment. Mais t'as bien senti, hein. Salopard. Ouais, mais c'est pas du jeu. Je propose qu'on recharge à peu près à l'épisode 22. Agonisons en douceur. Ah, attends, voyons, échappe, chargé. Pourquoi c'est désactivé? Saloperie de jeu. C'est scandaleux. Ok, ma flotte est en train de se refaire là. Alors là, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Oui, je n'en doute pas une seule instant. Mais toi, t'as rien fait aussi en même temps. Même l'office d'Eno Equalistique est en train de te défoncer. Il ne défonce pas, c'est juste qu'il a mis une flotte. Là, j'en ai autre qui vient lui rappeler qui est le patron. Le patron, c'est moi! Mais alors le truc où il me fait à chaque fois 26 000 flottes.
que je dois sectionner à la main pour les faire rejoindre, pour après les fusionner. Parce que le truc n'est pas capable de fonctionner, le coup de fusionner les flottes. Ça va me rendre dingue, par contre. Qu'est-ce qu'il construit, là ? Et hop. On va détruire le façonneur, quasiment. Mais il est où, ma proposition de loi ? Pourquoi j'ai pu... Pourquoi ma proposition de loi n'est pas... n'apparaît pas ? Agence de navigation impériale. Pourquoi elle n'est pas première ? Toi, je te bloque. Voilà, veto. Non mais oh ! Tout de suite. Méchanceté. C'est pas de la méchanceté, c'est ils font voter des lois à la con. Les seules lois qui comptent, c'est celles que je décide. Bon, et puis je peux faire accélérer là un petit peu ? Non. Non, mais le... La loi. Inbound message traffic. Inbound message traffic. Allez, on va ouvrir nos esprits. Oui, on va essayer. Alors, c'est quoi ça encore ? Le jeu qui est pas capable de fusionner les flottes, mais au secours. C'est la faute du jeu, bien sûr. Mais le jeu ne veut plus fusionner les flottes, donc en fait, j'ai choisi de faire les renforts manuellement. Tu peux pas forcément les fusionner. Non, c'est pas une question de toujours fusionner, c'est que, tu sais, quand tu fais renforcer les flottes, normalement, t'as des renforts, ils arrivent et autres. Mais ouais. Là, ça ne marche pas. C'est triste. Du coup, c'est très pénible. T'as qu'à te replier tranquillement sur tes chantiers spatiaux et puis faire tranquillement tes défenses. Non, je me suis replié sur ma capitale. Ta capitale, c'est pas celle le truc qui a été pris ? Bah, elle a pas été si pris que ça d'ailleurs. Encore chez moi. C'est même plus ça sera pas... C'est même plus haut en gris. Bah oui, c'est gris, c'est moi. Ça passera pas. Ouais, reviens. Bon, il me reste 3 planètes, dont 2 qui sont bombardées. Mais la dernière est protégée par une flotte innombrable. La plus on puissante. Est d'accord que... Quoi ? Dès que tu tombes, en fait, c'est fini, alors. Hein ? Non, pas du tout. Dès que je tombe, je reprends le commandement de ton royaume et je vais les poutrer. Ça sent la fin du let's play, tout ça, quand même. Non, absolument pas. Tout de suite. Fais un peu tenir. Par contre, les aberrants, ils ont popé et puis... Je les vois pas. Ah bah oui, tu les vois pas. Les zones Biden, ils avaient déjà 73 millions de fleurs. Quand ils ont popé, le premier truc qu'ils ont fait, c'est scrutch. Au revoir, les aberrants. On est content du mécanisme. Bah, je pense pas, je vois. Ça serait si je pensais. Il faut des alliages. Gestion de flotte. En plus, Zone Biden, là, il a toutes mes merveilles pour l'aider. Oui. Il doit être content. Bah, maintenant qu'il a un décompresseur et tout, il est content. Bon, il reste 2 planètes qui tiennent. J'ai hâte de savoir où est-ce qu'il va aller après. Au plus fort. Toujours plus fort, tu crois pas ? Alors, voyons. Il est trop à Tadark. Le mange-mort, il est en train de détruire ses planètes une par une pour pas être le plus fort. Oui, je vois ça. Allô ? Le mouvement, il crée des vassaux partout. Tu t'es fait coloniser par l'office xéno-équalistique, Féa ? Ouais, non, mais oui, c'est un peu exagéré de dire ça, mais... Un peu quand même, c'est pas du tout exagéré. Il est en train de se faire défoncer le fion. C'est juste que j'ai fait un repli stratégique. Pauvre trou à Ratadark. Bon, moi, techniquement, là, je suis plus ou moins à l'équilibre, hein, depuis que j'ai plus de planète. C'est juste que là, j'ai la porte L, c'est très très chiant de défendre des empires avec ces portes L. Oh, c'est que j'ai plus de particules, moi, ça va pas. Est-ce utile de se prendre la tête pour la fin ? Faut toujours se prendre la tête.
On va rééquilibrer un peu. J'avais pas des stations orbitales à coloniser. Bah voyons, tu veux coloniser. Bah ça occupe. Eh ben ça nous occupera un autre jour, parce que c'est terminé pour aujourd'hui. Ah oui. Yes master. Enfin ce qui reste du maître surtout. Et je... Bah, pff, je me casse, salut. Ciao, salut, la déchéance.